Oui, bah, c'est normal, hein. Voilà, c'est le dépôt. Bah. Et tout ça, ce sera changé de place encore après? Ben, je sais pas exactement, parce que normalement, à notre tracé, ça va être celui-là. D'accord. Ça va arriver par là. Ah oui, à la pelle là-bas. Ouais, non, mais là, c'est tout ce qu'on fait là. Ah oui. Parce que bon, le pont, il est juste en face. Hein. On donne un... Oui, c'est dans l'axe. Ouais. Comme on monte au fur et à mesure. Oui. Bon, les caténaires, après, hein, quand c'est neuf, ça va vite. Hein. Oui. Bon, j'ai travaillé à une époque pour les caténaires. Hein. Oui, là c'est du préfabriqué, c'est... Ouais, préfabriqué, non, c'est... Oui, on monte au fur et à mesure. Voilà. Après, c'est sûr que quand c'est neuf, on s'en fuit. Oui. Ça va là-bas. Oui. Pour ça, comment exactement, où c'est qu'il est Oui, ben, à quelques dizaines de mètres près. Maintenant, c'est sûr qu'il y a du snow. Va souffrir de la poussière et tout pendant quelques temps. Hein. Un peu, ouais, mais après les premiers... Ouais, les... Dès qu'il va pleuvoir... Oui, bon. Ça va nettoyer. Hein. C'est sûr que ça, on le voit, hein, voilà. Mais après, bon, quand c'est fini, c'est... Oui. Ouais. La fin du chantier. Mais quand on pense qu'il y a déjà 1 million de mètres cubes qui ont été couchés. Ouais, c'est pas étonnant. Oh, là. Ça va être de la finition. C'est pas ce qui va le plus vite. Non. Ben, quand il y a au moins 3 ans de chantier. 3 ans de chantier, c'est tout long, je pense. Oui, oui. Et 2 ans d'essai pour. Il y avait un chemin là aussi. Oui. Ils doivent être bronzés, vos collègues là. Ouais. Toute la journée. Bon, après, il y avait pas ensemble. C'est sûr que c'est pas agréable. Là.
il traverse la Charente. Ouais. Nous on s'arrête là, à l'appel. Hein. D'accord. C'est là qu'on vous charge. Ouais. Alors la base de travaux sera là apparemment. La base de vie. À de vie, là monsieur. La base de vie, elle est là-bas. D'accord. Ben, la fin du chantier, elle est là où il y a tous les gros dumpers là. D'accord. Là qui sont alignés les uns à côté de l'autre, c'est La fin là-bas. Voilà, c'est un luxe ça. Ouais. Ouais, là on est en plein sur Villognon alors. Voilà. Qui va gérer tous les autres lots. Et qui va rester elle. Voilà, qui va stocker tout le matériel. D'accord. Ah, donc c'est la principale. Ouais, bon, et là il arrive pareil à la finition. Ouais. Parce que moi le TGV n'est pas plat. Oui. Il y a des montées, il y a des descentes pour que ça ressemble. Donc là, le TGV, il va passer sous la route alors. Voilà. Donc ils vont faire un pont pour que la route le passe dessous. Je pense que c'est plutôt la route qui va passer dessous ou dessus, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle position il va être. Bon, je ne sais pas. Ils sont en train justement d'arranger au fond là. Et la commune non plus. Ouais. Ça arrange tout le monde. Les images sont un petit peu mouvementées, mais c'est pas grave, hein. Ah ben, si vous filmez, bon, après moi c'est dans le... Bon, alors on prend de toute façon, là, non. Ben forcément. Il n'y a pas 50 autres, hein. Non, il n'y a aucune. C'est sûr que là, on ne peut pas se manquer, hein. Et vous êtes de quelle région, vous? Montpellier. Ah, d'accord. Mais là, je suis venu avec ma voiture. Je suis venu avec ma voiture, voilà, au début des travaux. Donc, la bus, elle est là. D'accord. Elle traverse tout là. Ah, ben oui, forcément.